Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'émission numéro 56 de Sur la route. Épisode 56. Mon invité ce matin, c'est Fatia Lekzouli. Fatia, elle est cofondatrice d'une association qui s'appelle Little Big Woman, dont l'objectif est d'accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc les femmes et l'entrepreneuriat, ça va être le sujet de notre échange ce matin. Avec Fatia, on va discuter donc de la création de ce mouvement. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans cette thématique, qu'elle accompagne les femmes dans l'entrepreneuriat. Elle va nous faire part de son parcours et de son expérience. Elle va nous expliquer ensuite l'importance du mentorat, ce qu'on appelle des marraines. Voilà, donc quand on entreprend, quand on fait des choses, l'importance d'être accompagné par d'autres personnes dans cette action, dans cette dynamique, pour faire en sorte que tout se passe bien. Et enfin, elle va nous faire un point, une photo de ce sujet, l'entrepreneuriat au féminin, aujourd'hui en 2018. Qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans? Les améliorations, les combats qui continuent. Voilà, elle va nous expliquer un petit peu aujourd'hui sa vision de cette thématique, l'entrepreneuriat au féminin. En fin d'émission, question de l'invité, elle répondra à la question de mon invité de la semaine dernière et elle posera une question à mon invité de la semaine prochaine. Voilà, on accueille tout de suite mon invité, Fatia Lekzouli. Bonjour Fatia. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. C'est parti pour un nouvel épisode de Sur la route. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Qui es-tu Fatia et que fais-tu aujourd'hui? Donc Fatia Lekzouli, donc je suis directrice de l'association Little Big Woman. D'accord. C'est une structure de promotion de l'entrepreneuriat des femmes. Ok. Little Big Woman, ça vient d'où? Le nom. Alors, Little Big Woman, il y a un petit clin d'œil au film Little Big Man, oui. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, ce petit Dustin Hoffman qui a été adopté par des Cheyennes, ouais. Très grand, et puis comme il faisait des choses extraordinaires, ils l'ont surnommé Little Big Man, et je trouvais que c'était super intéressant. Il y avait un lien entre le talent des femmes et puis le fait d'oser, enfin voilà quoi. D'accord. Et puis le Little Big tiré vers le haut, quoi. C'est aussi de la modestie, quoi, le fait de se dire qu'on peut faire des grandes choses en étant petit et construire des choses à son rythme. Oui, et puis on peut aussi oser grandir. Et oser grandir, voilà, aussi. Également. Et aller vers le big. Oui, oui, tout à fait, vers le big. Je disais en introduction, ça fait plus de 20 ans que tu es impliqué dans cette thématique de l'entrepreneuriat au féminin, voire même un peu plus que 20 ans. Comment ça a commencé pour toi? Explique un petit peu les débuts. Oui, donc à l'origine, c'est dans le cadre d'un cabinet conseil Extramuros, où j'étais en intra-entrepreneur, on va dire. Le cabinet s'appelait Extramuros, c'est ça? Le cabinet s'appelait Extramuros et j'étais là pour essayer de créer mon poste après 10 ans d'expérience professionnelle sur Paris. D'accord. Et puis donc, je suis tombée sur un programme européen, Égalité des chances. Ouais. Et je me suis dit, bon, pendant mes 6 mois de stage, je vais travailler sur cette thématique-là. D'accord. Et donc, avant de répondre à ce programme, j'ai cherché à comprendre pourquoi il y avait autant de femmes que d'hommes qui désiraient créer leur entreprise. Ouais. Et qu'au bout du compte, on stagnait. Les chiffres n'étaient pas cohérents. Voilà, on stagnait à 28-30%. Donc c'est quoi 28-30% de quoi de création? Dans la création d'entreprise, on a 28-30% de femmes, mais que ça n'évolue pas. D'accord. Beaucoup. Et je voulais un peu comprendre pourquoi, parce que effectivement, accompagner des femmes vers la création d'entreprise, en l'occurrence, une étude de marché, qu'on soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Donc c'est de comprendre quelles étaient les spécificités, les freins et comment on pouvait y répondre. D'accord. Donc c'est dans le cadre de cette mission pour le cabinet que tu as décidé de structurer cette démarche, voilà, en fait. Exactement. Donc au départ, c'était une expérimentation pendant 3 ans. Et ensuite, on est sorti pour créer Initiative Plurielle qui est devenue ensuite Little Big Woman. D'accord, ok. Voilà. Avant de faire ça, tu as fait quoi? Tu dis que tu étais parisienne à la base ou tu étais du Nord? Non, je suis née en banlieue parisienne, dans le 9-3. D'accord, dans le 9-3. Voilà. Ok. Et puis à l'âge de 8 ans, mes parents sont venus à Douai. Et puis ensuite, je suis allée bosser sur Paris, quoi, à un moment donné. J'ai travaillé quelques années sur Paris. C'est sont tes études, ton parcours qui t'a amené à ça ou c'est un hasard? J'avais répondu à une annonce qui était sur Le Monde d'ailleurs, mais qui se passait à Paris. Ouais. Le CLAP, un comité de liaison pour la promotion des associations. Alors attends, le CLAP, comité de liaison. Enfin, qui n'existe plus aujourd'hui. Là, ça n'existe plus, d'accord. Ouais, c'est pas les CLAP. Parce que oui, il y a des CLAP qui existent dans l'accompagnement aussi, ça n'a rien à voir. Ça existait depuis très longtemps. C'est le comité de liaison pour la promotion des associations.
l'association. Et en fait, on allait former des formateurs sur toute la France, des valises pédagogiques. Et puis, on accompagnait des associations enfin, dans le cadre d'un développement associatif. En fait. D'accord. C'était super intéressant. Donc, tu étais toi-même formatrice? Oui, je faisais de la formation de formateur. Avant ça, j'avais été formatrice. Sinon, au départ, je suis dans l'expertise comptable, donc rien à voir. Ah ouais, rien à voir. Mais je n'ai pas vraiment bossé que 6 mois là-dedans. Ouais. J'ai fait le diplôme pour faire plaisir à mon père. Tu t'es dit, c'est pas pour moi, c'est vrai? Exactement. Pourquoi? C'était pas assez humain, il n'y avait pas d'engagement derrière, donc ça ne me convenait pas vraiment. Quoi. Tu t'es rendu compte au bout de 6 mois que ce n'était pas pour toi? Ouais, voilà, exactement. Ah ouais, t'as peut-être dit next. Ok. Et voilà, et donc par rapport à Little Big Woman, comme je parlais des femmes, cette recherche de femmes, pourquoi accompagner des femmes, c'est pas dans l'esprit de simplement cloisonner, mais c'est de comprendre un petit peu ce qu'on pouvait leur apporter pour répondre un petit peu aux freins qu'elles peuvent se mettre et comprendre d'où venaient ces freins en fait. Hein. D'accord. Voilà, donc on se rend compte qu'effectivement, l'éducation, qu'elle soit sociale. C'est quoi les freins concrètement que tu ressens ou que tu vois dans cet accompagnement? Par exemple, le syndrome de l'imposteur très présent chez les femmes, hein, même chez des femmes qui ont... Le fait de ne pas être légitime à faire les choses. Oui, voilà, de ne pas être légitime. De ne pas se sentir légitime. Voilà, c'est surtout de ne pas se sentir légitime, de ne pas se sentir à sa place. Ça, c'est assez fréquent. D'accord. Après, si on creuse un peu, c'est bien sûr lié à l'éducation, hein, qu'elle soit scolaire, familiale ou sociétale. C'est qu'est-ce qu'on a appris, comment on s'est construit en fait dans l'éducation. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas les mêmes choses aux hommes et aux femmes, et du coup, on ne se construit pas de la même manière. Et de fait, on se met des freins là où on a des compétences. Il faut savoir que les femmes sont plus diplômées que les hommes et après elles perdent par l'expérience. D'accord. Elles perdent par l'expérience parce que plafond de verre. Ça, c'est une réalité. Plafond de verre et puis aussi le fait qu'elles ont des ruptures liées au congé maternité, elles font qu'elles n'évoluent pas forcément aussi dans des vite postes, que ce qu'elles devraient ou pourraient. Voilà, ouais. Et bien souvent, d'ailleurs, une des motivations à la création d'entreprise, c'est de se dire pourquoi ne pas retrouver une reconnaissance sociale et professionnelle en lien avec mes diplômes. Quoi. D'accord, ça c'est ce que tu... Oui, c'est parce qu'elles n'ont pas réussi à l'avoir dans le cadre d'un parcours professionnel classique. Donc ça peut être une des motivations qu'on peut ressentir. Hein, ah ok, d'accord. Avec d'autres, bien sûr. Mais ça, tu le vois au quotidien dans l'accompagnement de ces femmes. Ah oui, ça c'est... Et même, je dirais, des femmes qui ont créé depuis 10 ans, qui ont développé, qui ont plein de salariés, elles me disent, mais parfois, il y a une petite voix qui me dit, mais est-ce que je suis bien à ma place? Enfin, c'est quand même assez incroyable. Donc on travaille là-dessus, on va mettre en place des ateliers collectifs sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, d'accord, sur les notions de leadership aussi. C'est des rencontres, c'est des ateliers. Donc il y a de l'accompagnement individualisé, et puis il y a aussi beaucoup de rencontres. Il y a des ateliers, comme je disais tout à l'heure, sur des thématiques en lien avec des besoins. On essaie de répondre aux besoins, donc on est toujours en observation, en évaluation, pour pouvoir à chaque fois évoluer et répondre aux besoins. Et puis il y a toujours plein de nouvelles choses parce qu'il y a tout un collectif derrière de bénévoles avec qui on réfléchit. Donc il y a plein de nouveaux projets. C'est quoi, plein de femmes chefs d'entreprise qui sont bénévoles dans l'association? Combien? C'est quoi? Donne un petit peu de chiffres. Alors les marraines, par exemple, on en a plus de 50. Là, je pense qu'on va bientôt atteindre les 60 marraines. Donc uniquement dans le Nord, que dans la métropole même. Ah oui, même la métropole. C'est la métropole lilloise. Voilà, donc au Nord. Dans le Nord. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une forte implication bénévole de femmes chefs d'entreprise qui pourtant n'ont pas beaucoup de temps mais qui en donnent pour la promotion de l'entrepreneuriat. D'accord. C'est chouette quoi. Ah, carrément, c'est donner du temps pour les autres. Oui, tout à fait. Ah oui. Et donc ça c'est Little Big Woman, donc l'aventure un petit peu avant c'était Initiative Plurielle, c'est ça? C'était le nom de l'association. N'existe plus cette association? Oui, mais c'est une continuité. C'est vraiment la continuité. Ça a été repris donc en 2016 grâce à un collectif de marraines. Quand l'initiative plurielle s'est arrêtée, il y a des marraines qui sont venues me voir en me disant c'est pas possible que ça s'arrête. On peut pas s'arrêter. C'est vrai, c'est elle qui était moteur. C'est vraiment elle qui était moteur dans cette affaire. Et j'ai trouvé ça, c'était impressionnant et touchant. Du coup, je me suis pas permis de me dire je m'arrête. Ouais, en même temps, je me voyais pas faire autre chose quand même. D'accord. Donc, je pense qu'elles m'ont juste tendu la perche et puis voilà, j'ai plongé, j'ai dit ok, on y va. Et puis, on a réfléchi ensemble pendant 6 mois en disant qu'est-ce qu'on reprend d'initiative plurielle, qu'est-ce qu'on y ajoute, comment on peut innover aussi, parce que les choses bougent. Et c'est un peu comme ça que ça s'est construit. Quoi. D'accord, ok. Ouais, une de mes précédentes invitées, que tu connais peut-être de nom, qui s'appelle Alessandra Machado, elle fait elle accompagne des femmes dans des quartiers sur l'île. Elle parlait d'un concept assez spécial de non-mixité, c'est-à-dire du fait de
avant que les femmes s'émancipent ou se libèrent ou simplement s'assument pour ne plus avoir ce syndrome d'imposteur, fallait d'abord qu'entre elles se sentent bien. Est-ce que tu es raccord avec ça ou alors, pas? Je suis complètement, et je vais même confirmer par une étude. Hein, parce que ça va pas dans le sens du vent, c'est la non-mixité, c'est on est plutôt non, faut tout mélanger, faut que tout le monde soit égaux et tout. Bah, il faut savoir que là où il y a la parité aujourd'hui, au Canada, aux États-Unis, en tout cas au niveau de l'entrepreneuriat, il y a eu d'abord une prise de conscience et une volonté politique de ces différences, et puis du coup, une envie de, enfin, un engagement de mettre en place des choses spécifiques pour que les femmes osent y aller. D'accord. Et pour répondre à ce que tu disais juste avant, voilà, il y a une étude qui dit que les femmes, quand elles se retrouvent minoritaires dans des réseaux masculins, elles ont tendance soit à partir, soit à copier des comportements masculins, voire même les amplifier pour exister. Alors qu'à partir du moment où elles commencent à être majoritaires, elles vont exister avec leurs différences. Et ce qui est intéressant, c'est la différence, parce qu'on est quand même une société faite de femmes et d'hommes dans la complémentarité. Et c'est vraiment dans cette complémentarité qu'on peut avancer. Du coup, je rejoins complètement ce que tu disais, le fait de se sentir d'abord à sa place entre femmes, de montrer un petit peu nos différences, puis après d'aller s'affirmer dans des réseaux mixtes. D'accord, voilà. Ok, super. Après, pour prendre sa place. Le sens même de l'association et ton engagement, tu m'expliquais en préparant l'émission, c'est pour toi le point le plus important, c'est le mentorat, les marraines, l'accompagnement. C'est le fait de pas laisser les femmes entrepreneuses seules et d'avoir des référents, des marraines. Pourquoi c'est aussi important? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça change d'avoir une marraine en étant dans l'association? Moi, je trouvais que ça répondait complètement aux freins qu'on a commencé à énumérer tout à l'heure, l'ensemble des freins, parce que à la fois les femmes sont plus isolées, il y a moins d'exemples de réussite, parce que l'entrepreneuriat ça reste quand même assez masculin, même si les choses évoluent. Quand on parle du mot, d'ailleurs je fais souvent un exercice où je dis mais qu'est-ce que ça vous dit le mot entrepreneur? On va me parler de challenge, de héros, de prise de risque, rien de féminin. Quoi. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir un exemple de réussite au féminin, le fait d'aller puiser dans l'expérience de sa marraine qui a réussi, qui est passée par là, qui a vécu les hauts et les bas de la crise, qui a connu ça et qui a réussi aussi. Donc, en fait, même les lacunes liées au fait qu'on n'a pas assez d'expérience professionnelle dans les postes à responsabilité, on va aller puiser l'expérience de ça. Enfin, on va aller chercher dans l'expérience de sa marraine pour grandir. D'accord. Donc, je trouve qu'à plein de niveaux, ça répond complètement aux spécificités de l'entrepreneuriat féminin. Et ces binômes, enfin, je trouve que c'est chouette, ça permet vraiment aux fioles de grandir. Donc c'est des binômes à chaque fois. Et voilà, c'est des binômes qu'on va créer. C'est pas nous qui allons mettre ensemble les marraines et les fioles. Ouais. On demande à une coach. Dating. Voilà, on demande à une c'est vrai coach. Voilà, ah oui, c'est d'accord, exactement okay. ça. On met ensemble à chaque fois 6 binômes par session. D'accord. Et elles vont travailler 2 fois 2h30 avec une coach. Et à la fin, elles vont se choisir par affinité. D'accord. Et ça c'est top. Elles-mêmes. Ah ouais, oui. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, donc elles sont actrices de leur choix, quoi. Ah ça, oui, c'est pas mal, c'est une bonne idée plutôt que d'imposer en disant c'est toi. C'était aussi parce qu'on avait vu, j'avais vu ce qui se passait, il y avait du mentorat en Belgique, il y en a depuis 20 ans au Québec, donc là j'avais rencontré des Québécois. D'accord. Pas là-bas. Hein. Ils sont venus ici. Je les ai rencontrés à Paris et ils m'avaient dit que quand ça ne fonctionnait pas, c'est souvent qu'il n'y avait pas d'affinité humaine. Donc j'ai réfléchi en me disant mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait vraiment affinité. Et puis voilà. Un speed dating. Et ça, je crois que ça, c'était top. Quoi. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Okay. Ça fonctionne bien, D'accord. Donc là, un vrai accompagnement dans le temps, c'est quoi? C'est limité dans le temps? Tu penses que c'est la relation filleule-marraine? Oui, c'est... donc elle signe pour un an. Elle signe pour un an. Voilà. Et puis après, là, tu t'engages, c'est un an. Il y a une convention de mentorat. D'accord. Et puis ensuite, on peut renouveler 2 fois parce qu'on estime que la réussite de l'entreprise, souvent, c'est après 3 ans. Oui, tout donc, à fait. Donc si elle le souhaite, elle peut renouveler. C'est la troisième année, c'est déjà... Voilà. S'il y a encore un besoin, on les revoit, on renouvelle à nouveau et puis on peut renouveler une troisième fois. Bien souvent, la deuxième fois, tout le monde renouvelle. La troisième fois, il y a peut-être 50% de personnes qui vont renouveler. Voilà. Donc, ça se passe de cette manière-là. Et je trouve que c'est un programme assez chouette. Il y a une forte demande. Et on est toujours à la recherche de marraines. Hein, parce que comme on met... Je passe un appel. Je passe un appel. Et surtout de marraines de la reprise d'entreprise. Parce qu'on a monté depuis un an un nouveau programme sur la reprise d'entreprise avec un mentorat de reprise. Alors tu parles surtout reprise parce que c'est encore plus compliqué là, apparemment. Alors ça, moi, je peux, de mon expérience, moi, je suis membre de réseaux pas masculins, bien heureusement, mais réseaux d'accompagnement tels que Réseau Entreprendre ou LMI. Bien, et c'est vrai que là, pour le coup, où il y a une mixité, bon, pas énorme malheureusement, mais qu'elle n'est pas voulue, c'est
cette problématique de la reprise d'entreprise, elle est valable aussi chez les hommes. C'est que c'est moins vu comme une création, c'est moins vu comme dans l'entrepreneuriat. Et c'est une vraie problématique de trouver des repreneurs de manière globale sur des belles entreprises qui existent, qui font déjà du chiffre. Et on ne dit pas assez que reprendre une entreprise qui est déjà développée, qui a déjà des salariés, c'est aussi entreprendre, c'est construire une nouvelle aventure, c'est tout aussi valorisant. Ah oui, c'est plus qu'entreprendre même. C'est plus qu'entreprendre parce que, en fait, j'ai compris pourquoi on a cherché à comprendre pourquoi les femmes allaient moins vers la reprise que les hommes. Et sauf que les femmes, quand elles créent, elles créent d'abord petit, bien souvent, et après, elles vont progressivement se développer en grandissant dans leur posture d'entrepreneur. Alors que la reprise, on se retrouve plongé dans le grand bain tout de suite. Avec toutes les casquettes de chef d'entreprise, que ce soit le management, la gestion des ressources humaines, les équipes à gérer, et du coup ça fait un petit peu peur et c'est là où justement on a souhaité mettre en place ce nouveau programme de mentorat de reprise pour essayer de les accompagner pour qu'elles osent un peu plus la reprise d'entreprise. D'accord. Voilà. Ça marche? Ça a démarré depuis octobre l'année dernière. On a déjà constitué 12 binômes, c'est pas énorme, mais c'est déjà un bon démarrage. Et au niveau de la reprise d'entreprise, je vais chercher des mentors femmes ou hommes, parce que sinon j'aurais beaucoup de mal à trouver des. Voilà. Là, tu es obligé d'ouvrir, parce que sinon. Il y a une parité, mais j'ouvre et je trouve ça très intéressant d'ailleurs, parce que du coup, on forme aussi des hommes aux questions de genre. Ça permet, pour moi, c'est génial parce que c'est une question de société et ça doit parler à tout le monde. C'est la vraie vie. Et nous, pour dire, on a une présidence mixte. Pour moi, c'était important d'avoir une présidente et un vice-président. D'accord. Voilà. Ah oui, ok. Et puis, l'équipe est mixte également. Hein. D'accord, ok. Pour moi, c'est une question de société. C'est les marraines seulement qui sont. Voilà, sont les bénéficiaires. C'est que les femmes. On s'adresse à des femmes, mais à la limite, quand ce sont des hommes qui prennent avec nous, qui s'engagent avec nous dans la thématique, c'est très bien aussi. Oui, tout à fait, au contraire. C'est quoi la suite de cet engagement? Parce que, comme je te disais, ça fait donc plus de 20 ans que tu es sur cette problématique, sur cette thématique. Quelle évolution tu as vue depuis 20 ans, aujourd'hui, là, en 2018? Est-ce que, il y a déjà une partie de la réponse que tu as dite. Je veux dire, est-ce que tout est résolu? Ben non, forcément, puis sinon, il n'y aurait pas besoin de faire ces actions-là. Mais est-ce que tu as vu une évolution depuis 20 ans? Quels sont les points notables dont tu peux nous parler, dont tu peux me parler? Alors, peut-être dire que effectivement, on a de plus en plus de jeunes filles. D'accord. Voilà. C'est quoi jeune en âge? Il y a une époque où les moins de 30 ans, à l'ancienne entreprise, on n'en avait pas. Quoi. D'accord, là, moins de 30 ans, il n'y avait pas. Voilà, là j'ai des personnes de 22, 23, plus entre 25 et 30, mais on commence à en avoir de plus en plus. Donc, d'accord. J'allais dire, le public de la création d'entreprise rajeunit. Après, beaucoup de projets, alors quels que soient les projets, mais avec beaucoup de sens, on veut retrouver du sens, on veut réfléchir à quel impact on laisse sur l'environnement, les aspects humains, les valeurs, l'éthique, c'est hyper important, ça croise énormément de projets chez nous, donc je trouve que ça c'est quoi, c'est l'engagement sociétal? Oui, l'engagement sociétal derrière, même si ce sont des entreprises, des sociétés, purement économiques, mais avec en tout cas une réflexion sur redonner du sens et puis réfléchir à ce que je mets en place par rapport à cet engagement-là, ça c'est hyper. Mais c'est vrai qu'on parle souvent dans cette émission de la thématique de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, pour montrer que c'est pas juste de grosses associations qui sont là pour aider, subventionner ou autre, c'est aussi des petites entreprises qui se donnent pour objectif d'améliorer le mieux vivre ensemble, tout simplement, avec un objectif économique, parce que c'est pas mal quoi, de faire tout du business, et au contraire, ça permet de prendre cette problématique en compte. Je vais prendre comme exemple une personne qui crée des chaussures éthiques équitables, une personne qui est sur Mademoiselle Biloba par exemple, une boutique sur fabriquer ses produits cosmétiques bio, d'autres personnes qui sont sur l'alimentation, le zéro déchet, ou alors le textile, mais avec une notion de récupération derrière, comment je peux récupérer la chemise de papa pour en faire un tablier d'écolier. D'accord, la valorisation. Plein de projets, petits projets comme ça, mais toujours avec énormément de sens derrière. Et ça, c'est une vraie évolution. Ça, tu ne voyais pas ça avant. Oui, c'est une vraie évolution. D'accord. Et tant mieux. Les chiffres, tu regardes un petit peu au niveau du nombre de créatrices d'entreprises. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça change? Est-ce que c'est compliqué encore? Ça reste encore compliqué, ça bouge, mais... Le combat n'est pas gagné. Le combat n'est pas gagné parce que même s'il y a des engagements politiques qui ont été affirmés depuis quelques années, qui fait que de plus en plus d'associations d'accompagnement
qui n'y allaient pas forcément maintenant s'engagent de manière transversale, on va dire, dans l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Mais en même temps, il n'y a pas forcément les moyens financiers qui ont suivi derrière. D'accord. Ah oui. Et alors qu'il faut. Voilà. L'envie est là. Ouais, l'envie mais est là, mais bon, il n'y a pas encore. Des... On ne va pas jusqu'au bout. Il n'y a pas forcément les moyens financiers supplémentaires. Du coup, pour compléter nos financements, parce qu'il faut quand même dire qu'on est financé par la région, d'accord, la MEL, la ville de Lille, la délégation aux droits des femmes. D'accord. Et par des fondations comme la fondation AG2R, la fondation MEL. Agir, Amber. Ouais, donc il y a plein de partenaires. Donc c'est plein privés de financements que je vais chercher à droite à gauche pour pouvoir. Ça, c'est ton métier. Ça, c'est mon métier. je suis dedans en ce moment, là, en décembre. Là. C'est vrai, c'est les fins d'année, ouais, c'est les financements. Dès que je rentre, là, je vais boucler un dossier qui n'est pas fini. Ouais. Donc ça, c'est oui, c'est une partie du métier aussi. C'est une partie du métier. Ah, ouais. Les bilans, les recherches de financement. Puis c'est une partie du métier d'une chef d'entreprise aussi, hein, c'est de mettre son nez dans la compta, c'est gérer tous ces éléments-là. Ah, bah tout à fait. Qui sont chiants pour tout le monde, homme comme femme, une association, c'est une entreprise avec un statut associatif. Oui, on a exactement les mêmes outils, plan de trésorerie, on va regarder tout ça, c'est important. Oui, c'est exactement la même chose. Ouais. Super. On est arrivé à la fin de l'émission. Ouais. Ça a été un plaisir pour moi. Ça va vite, hein? Ouais, ça va très vite. J'avais plein de choses à dire. Est-ce qu'il y a encore une chose que tu voulais dire là? Alors peut-être que le nouveau projet qui nous vient de Violette Clabec. Hein, oui, parce Violette. Que tout le monde réfléchit au projet. On lui passe le bonjour, Violette. Voilà, agence Keblo sur l'île. Belle agence. À Violette, donc elle nous a aidé à monter des cercles de co-développement. D'accord. Et ça, c'est super parce qu'on met ensemble. Ça veut dire quoi? Cercle de co-développement. On met ensemble à chaque fois 8 femmes avec une animatrice qui va gérer un groupe et on va réfléchir à des problématiques de chacune d'entre elles et à chaque fois qu'elles se rencontrent, on change de personne et on change de problématique. D'accord. Du coup, on a formé une dizaine de femmes bénévoles, de marraines bénévoles pour animer ces co-développements et on vient de lancer, depuis septembre, déjà 4 groupes et il y a d'autres groupes qui vont se lancer. Il y a une forte demande et ça cartonne et je dis merci à Violette parce que c'est vraiment, j'allais dire, belle dynamique derrière. Ah super, c'est cool, top. Juste avant de partir, à la fin de l'émission, il y a une rubrique qui s'appelle Question de l'invité. Non, encore un petit peu. La question de l'invité, le but, c'est que tu répondes à la question de mon invité de la semaine dernière. Donc, mon invité la semaine dernière, c'était Jules Denel. Jules, il est champion de windsurf. Voilà, il nous expliquait lors de la précédente émission son mental de champion, comment arriver dans le top 3 mondial, comment il se prépare, comment il gère ça. Et il t'a posé une question à la fin de l'émission, c'était de savoir si tu n'étais pas engagé dans cette mission de l'entrepreneuriat au féminin, est-ce qu'il y a une autre mission qui t'aurait autant passionné? Voilà, tu peux répondre à Jules directement. Ouais, donc caméra. Jules, alors que dire? Dire que de toute façon, moi j'ai besoin de me sentir engagée. Ouais. Donc sentir que je suis utile si j'ai changé un moment de métier entre expert comptable et c'est pas anodin. Sur le côté humain derrière. Donc de toute façon, je pense que je serais allée vers une action toujours avec beaucoup d'engagement et de passion. Ça, c'est quelque chose d'évident. Ouais. Je sais qu'étant jeune, je disais toujours que je voulais être avocate. C'est vrai? Ouais. Donc voilà, j'avais comme référence Gisèle Halimi. Je me disais, j'aimerais bien être avocate. Puis après, j'ai fait du droit dans mes études. Je me suis rendu compte qu'apprendre par cœur, c'était pas mon truc. D'accord. Donc j'ai vite déchanté. Du coup, voilà quoi. Donc en tout cas, une mission, un engagement, au service des autres. Au service des autres, oui. C'est ce qui t'anime et c'est ce qui t'aurait plu. Oui, ce qui m'aurait plu. Ok, super. La semaine prochaine, mon invité, c'est Jean-Loup Lemaire. Jean-Loup Lemaire, c'est le fondateur d'une association qui s'appelle la Tente des Glaneurs. Il est chargé avec son association d'aller récupérer les invendus alimentaires sur les marchés pour les redistribuer aux plus pauvres et à ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est une super dynamique dont on parlera la semaine prochaine. Est-ce que tu as une question à poser à Jean-Loup? Et tu peux lui poser directement. Alors Jean-Loup, peut-être comme nous, on voit quand même de plus en plus, chez les femmes, de plus en plus de misère, des femmes en situation isolée, avec enfants, situation de précarité. En situation de précarité. Donc je me posais la question parmi les personnes qui font appel à Tente des Glaneurs, s'il y avait beaucoup de femmes, s'ils voyaient une évolution depuis, son démarrage, ça fait je crois 7-8 ans peut-être. Ça fait quelques années, voilà. S'ils voyaient une évolution par rapport à ça, j'aurais bien voulu qu'ils puissent en faire un retour. D'accord, ok. Et s'il ne peut pas, je lui donne gage, un petit gage, qui me donne 5 synonymes du mot glaneur et qui me les mette au féminin. Non, je plaisante. Ok, ça c'est le deuxième, 5 synonymes du mot glaneur à mettre au féminin. Voilà. Il fera ça la semaine prochaine. Une plaisanterie. Voilà. Fatia, merci beaucoup. Je te laisse sortir. Okay. Je te souhaite une bonne journée. Même. Et à très vite, à très bientôt. Bon courage pour Little Big Woman, l'association. Ok.
Ok, merci. Au revoir, Fatia. Au revoir. Voilà, c'était Fatia Lexouli, vous avez vu donc son association Little Big Woman avec toutes ces marraines chefs d'entreprise qui accompagnent les femmes dans l'entrepreneuriat et qui les font se développer. Voilà, nous a expliqué le fonctionnement de cette association et l'importance du mentorat. Ça, c'était vraiment un point sur lequel je voulais qu'on insiste et qu'on discute avec elle. Le fait, encore une fois, de ne pas rester seul, qu'on soit un homme ou une femme, ne pas rester seul, c'est primordial. Se faire accompagner, discuter, partager. On voit que c'est une des clés du développement dans l'action et qui fait qu'on se sent moins seul et qu'on y va plus vite et plus rapidement. Et enfin, fin d'émission, elle nous a expliqué l'évolution, comme quoi le combat, la parité homme-femme, c'est compliqué encore aujourd'hui en 2018, bientôt 2019. Le syndrome de l'imposteur qui fait que pour les femmes, comme pour certains hommes aussi, c'est plus compliqué de se lancer. Mais tout ça, ça se combat, voilà, ça se combat et ça s'apprend, ça permet d'évoluer en se formant, en accompagnant, en discutant. Et on arrive sans problème à lever ces freins à partir du moment où on est dans un bon écosystème et cette association avec Fatia à sa tête en fait partie. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. La semaine prochaine, mon invité, c'est Jean-Loup Lemaire. Jean-Loup Lemaire, c'est un chef gastronomique. C'était un chef gastronomique. Il a décidé de tout arrêter pour se concentrer sur son association, la Tente des Glaneurs. La Tente des Glaneurs, ça va récupérer les invendus sur les marchés et ça va les redistribuer à ceux qui en ont besoin pour manger, pour bien manger. C'était une initiative locale à Lille au démarrage, c'est aujourd'hui national et il va nous expliquer donc la semaine prochaine pourquoi il s'est lancé dans cette aventure et aujourd'hui en 2018, à quelques jours de Noël la semaine prochaine, son ressenti dans son action et ce qu'on peut en retirer de cette action. Voilà, ça c'est la semaine prochaine. D'ici là, entreprenez, bougez-vous, prenez des risques, passez une bonne semaine, rendez-vous mardi 9h pour le prochain épisode de Sur la route. Salut !